On commence avec l'album, justement. Oui, alors j'ai beaucoup aimé, mais j'ai quand même un petit regret, je dois vous l'avouer. Vous auriez tout de même pu faire l'effort de chanter dans la langue officielle en Argentine, dont cette candidate de Jean-Luc Reichmann va nous rappeler le nom. Quelle est la langue officielle en Argentine ? L'argentin. Bien sûr. En Argentine, on parle l'argenteuil, qui est une sorte d'argot parisien, mais avec l'accent espagnol. Ah, c'est pas évident à parler d'ailleurs. Vous avez chanté Argenteuil, j'imagine, du coup, dans le fief du tango. Vous allez vous y rendre, j'espère. Rendre hommage quand même à Argenteuil. Donc, ça, c'était chez Jean-Luc Reichmann, qui avait aussi accueilli une fois Catherine Ringer, une autre candidate, manifestement très fan d'un des titres d'Erita Mitsuko. Vous savez, c'est celui qui s'appelait Ding Ding Dong. Ah, oui. Eh bien, elle lui avait, à sa manière, rendu hommage. Top, quelle sonnerie de cloche donne son nom à un célèbre tableau de Jean-François Millet ? Ding-dang-dong. Ah, le gars, il a pas envie de se prendre la tête. Il dit, tiens, des cloches, je vais appeler ça ding-dang-dong. C'est comme le tableau de Léonard Vinci. La scène, en fait, s'appelle Miam-Miam. Hein, voilà. Bon, on va revenir maintenant à un autre titre d'Erita Mitsuko qui inspire beaucoup ceux que l'on voit à la télé. C'est la chanson Nuit d'ivresse, qui est un peu l'hymne des journalistes télé, en fait, Nuit d'ivresse. Sauf qu'ils n'attendent pas la nuit pour être en état d'ivresse. C'est-à-dire qu'ils sont toute la journée. Par exemple, Jean-Pierre Pernaut, eh bien, lui, dès 13h, c'est Nuit d'ivresse. Et même quand il s'agit justement de parler d'alcool au volant. L'idée ne déplaît pas aux automobilistes qui commencent d'ailleurs à en acheter des itinotests. Alors ça nous amène à une autre histoire et on apprend à l'instant que la justice égyptienne, oui, doit examiner une scène de confusion. Ouais, plus que de confusion, de confusion. Et la religion, c'est justement évidemment ce qui divise cette religion, En France, un nourrisson de 24 ans enlevé, Alors rassurez-vous, il a vite été retrouvé parce qu'un gars de 24 ans grenouillard dans une poussette, ça court pas non plus les rues. C'est surtout quand elle a voulu lui donner le sein. Il a vite été identifié celui-là. Il n'est pas resté longtemps perdu ce nourrisson de 24 ans. Un cadeau pour Catherine Ringer maintenant. Oui, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un très joli cadeau que vous avez fait l'an dernier, la chanteuse Nicoletta, dans une émission d'M6 qui s'appelait Un air de star. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Non. Le principe, c'est qu'il devait imiter d'autres chanteurs, se déguiser et essayer de chanter comme eux. Et donc, elle s'était attaquée à votre tube Marcia Baila. Mais attention, quand je dis attaquée, c'est à prendre au premier degré. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment violenté. Oh. Mais quel est donc ce froid qui vient en toi? Mais c'est la faute qui t'a assassiné, Marcia. C'est la faute je vous avais qui dit, t'a consumé, hein. Marcia. C'est le conseil qui t'a glissé autour de moi. L'amour, c'est comme une chose impossible. Ah oui. Bah, elle était dans le rythme, hein. Mais d'une autre chanson, je crois, en fait. Ça a un nom, cette version s'appelle le Marcia Baila Jogging Remix. Hein, c'est-à-dire avec une chanteuse qui court après la musique. Je crois que c'est pas facile à chanter. C'est pas facile à chanter. Ouais. Ah, elle était un peu essoufflée. On aurait dit qu'elle chantait sur un tapis, un tapis de salle de sport. Non, vous êtes méchant. Non, mais c'est d'autant plus gênant justement que Nicoletta, c'est une sacrée chanteuse. On l'adore ici. Même si, bon, je dois avouer qu'elle a maintenant de la concurrence aussi niveau voix avec ceux qui appellent notre chaîne favorite, la chaîne IDF1, pour participer à un concours de chant. Ils ont toujours de très belles voix. On lance la musique là. Ce sera nous le chemin. Nous entendons les rois de la vie. Ah, c'est fidèle, surtout au niveau des paroles. Nous sommes la vie du Nord, roi du Sourire. Oh, je reconnais bien. Bravo. Ah oui. Bravo. Et attendez. Ah, vous voulez plus s'arrêter. Bon, ça a duré 10 heures à l'antenne. Hein. C'était une version un peu particulière, l'envie d'aimer. En tout cas, ça ressemblait terriblement aux paroles d'origine. Mais bon, après tout, elle a eu raison de se lancer. De toute façon, sur cette chaîne IDF1, vu l'audience, il ne reste pas grand-chose. Hein. D'ailleurs, manifestement, les gens qui appellent en ont bien conscience. Eh ben, un petit message à passer, un petit coucou à quelqu'un qui vous regarde, je ne sais pas. Quelque chose à dire sur les... Non, personne ne me regarde, apparemment. Ah, personne ne vous regarde. D'accord. Anna ne se fait aucune illusion. Hein. Elle est lucide, au moins. Elle sait que personne ne regarde. Et on termine en rappelant l'origine justement de ce jeudi de l'Ascension. Oui, cela correspond, vous savez, à l'élévation au ciel de Jésus-Christ. Jésus d'ailleurs, qui n'avait pas pris d'échelle hein, pour grimper tout là-haut. Non, non, parce que des fois, on a des déconvenues avec les échelles. Ah ouais, non, mais ça c'est la déception ça. C'est comme ce que t'arrives en haut d'une échelle, il n'y a plus de marche. Alors pour ton info, une échelle avec des marches, on appelle ça un escalier, hein, comme ça il le saura pour la prochaine fois. Et ça c'était qui? C'était ça c'était l'île des vérités, une téléréalité qui disait toute la vérité précisément. Bien sûr. Merci beaucoup Eric.